Salut tout le monde, c'est Twip et bienvenue aujourd'hui pour mon deuxième tutoriel Kama. Alors, un tutoriel Kama plutôt spécial étant donné qu'il est destiné aux non-abonnés. Donc, quand je fais un tutoriel Kama pour les non-abonnés, généralement c'est pour que vous puissiez vous abonner par la suite, donc pour gagner 200 000 Kama en 2-3 jours, grand maximum, mais quand même, que ça vous rentabilise un petit peu vos actions et que par la suite vous puissiez vous abonner et réaliser de plus gros tutoriels qui rapportent plus. Je prévois déjà un prochain tutoriel qui sera beaucoup plus gros. Pour vous dire, c'est 1 million en un jour sans métier, sans rien, en déboursant à peu près 80 000 km, un truc comme ça, qui marche déjà très bien sur Alistair, mais il faudrait être abonné. Donc voilà, je vous fais patienter avec ce court tutoriel. Vous devez vous demander pourquoi on a une carname, pourquoi il y a des gras qui portent mon beau nom. Tout simplement parce qu'il se passe sur une carname. J'ai trois comptes, donc Twip 6, Twip 7 et Twip 5, tout simplement parce que 7 était déjà utilisé. Je sais pas pourquoi. Et en fait, vous allez voir qu'on va dropper, et pas n'importe où. Donc sur Incarnam, vous voyez qu'il y a une instance. En fait, il y a le petit Incarnam et le gros Incarnam. Donc le petit Incarnam, ça revient à des groupes un peu comme ça, grand maximum. Et le gros Incarnam, ça dépendra de votre chance. En fait, faut descendre une statue, si ça marche pas, vous remontez, etc. Et après, vous allez tomber sur un gros Incarnam où il y a ce genre de gros groupe. Et ça, c'est très recherché. Très 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 recherché. Vu que ça revient au même qu'à des drops de bouffetons noirs et bouffe-tout, sans le jaune et petit. Donc voilà, moi je le fais à trois comptes. Et pour cela, bah, c'est très simple. Vous voyez que lui, je crois qu'il est dans l'instance petit Incarnam. Ouais, vous voyez qu'il n'y a que des petits groupes. Donc ensuite vous rejoignez le meneur et voilà vous lancez le groupe. Moi je le fais avec à 3 avec 3 comptes, je trouve c'est pas mal. Vous avez les challenges etc. Hop là je suis. Bon par contre je manie pas encore très bien. Moi je fais pas comme ça, je fais avec des métiers. Mais voilà je vous conseille Kra parce que Kra c'est le mieux. Hop, donc voilà, après vous réalisez les challenges et vous allez voir que les drops sont plutôt gros. Ils sont plutôt gros et ça peut vous rapporter pas mal, hein. Dites-vous que ça. Vous faites du drop comme ça pendant, allez, une heure. À tout casser, les groupes pop-up vite. Vous avez, je vous montrerai la zone. Attendez, je vais quand même essayer de jouer un petit peu optimisé. Moi, je suis pas très fort pour ça. Moi, je suis, voilà. Je suis plus fort pour tout ce qui est dans les métiers. Donc, je suis pas l'as des. Ouh, la belle brochette. Ouh, c'est joli. Et là, si je fais un échec critique, je vais être vraiment triste. Hop. Une belle brochette, donc voilà, moi je vous conseille des crates simplement parce que. Ah je vais pas monter ses stats. Non c'est con. Parce que déjà c'est très bien je trouve, ça va vite. Vous vous embêtez pas, ça peut taper de loin, ça tape des zones précises pour des challenges, etc. Jusque là rien de compliqué, mais c'est vrai que les prix des ressources, on descendra après les voir si vous le voulez bien. Et vous verrez que c'est un petit peu abusé. Déjà vous allez comparer au drop. Donc c'est du live, hein, je préviens. Là, si je veux tirer une flèche à vide, je tire une flèche à vide. Mais voilà, simplement pour vous dire quand même que c'est en live, que le drop peut être mauvais, peut être bon, mais généralement, quand vous avez ce genre de groupe avec un trend à 70%, généralement, à la fin, vous... Purée, j'en ai marre, c'est chez critique à combien? En sur 100, ah voilà, moi, j'ai pas beaucoup de chance. Mais voilà, vous allez voir qu'à la fin, pour finir, vous allez commencer à gérer le truc. Et que voilà, en fait, c'est vraiment de comprendre et avoir surtout un PC assez puissant. C'est pas grave s'il est pas très puissant, votre PC, mais c'est un peu plus désagréable. Donc voilà, à la fin, vous vous retrouvez avec quoi? 16 cuirs de bouffetons noirs, 7, 13, 16 baves, 6 laines de bouffetons blancs, 12 laines de bouffetons noirs, une corne, ça on s'en fout limite, 3 laines de bouffetous, 6 cuirs de bouffetons blancs. Et en cuir de bouffe-tout. Donc ça, vous allez vous dire, mais Stan, pourquoi? Attendez, d'où je sors Stan? C'est quoi ce bordel? Vous allez dire, mais Twip, je m'appelle pas Stan. Vous allez dire, mais Twip, c'est à chier, c'est de la merde. Absolument pas. Regardez, on va refaire un autre combat, je vais vous montrer. Hein, pas que vous croyez que c'est du pur hasard, etc. Et que pour une fois, on drop bien. Non, non, j'en refais un avec vous, je veux être clair, je veux vous montrer que vraiment, ça marche, que... Mine de rien, en étant non abonné, vous pouvez réussir des belles choses quand même. Là en l'occurrence, ben voilà, c'est peut-être. Ah, je m'étouffe! C'est peut-être pas énorme, vous allez me dire, pour vous faire quoi au final? Par jour, vous allez taper dans les. Sur Alistair, vous pouvez quoi? En une heure, taper 100 000 km à tout péter.
Mais avec 200 000 Kama, vous vous abonnez et le tutoriel que je vais sortir, il est non négligeable. Très franchement, le prochain que je sors, c'est quand je serai abonné, c'est de se faire 1 million en déboursant quoi. Je dis 80 000 Kama sur Alistair, mais c'est peut-être moins. Hein. C'est pas très connu. Je suis vraiment désolé à ceux que je vais gâcher l'astuce, qu'ils la pratiquaient depuis longtemps, mais faut savoir partager, hein, vous savez. Si vous étiez à la place de ceux qui cherchent des Kama et une bonne astuce, je pense que vous seriez bien content. Mais voilà, je m'égare un petit peu. Mais vous allez voir qu'au final, vous pouvez quand même ramasser pas mal. Et après, bah, une fois que vous êtes abonné, les Kama, ça devient un jeu d'enfant, très franchement. Sur celle, vous vous abonnez avec des origines, des ogrins, ça coûte quoi? 180 000 Kama, 200 000 Kama à tout casser. Et voilà, après, ben, sur 7 jours, vous prenez 30 minutes par jour pour réaliser. Que ce soit du drop ou une technique à vous, vous gardez un abonnement constant, l'abonnement restera constant, et puis voilà, au final, bah, vous pourrez rester abonné. Moi, j'ai pas de chance, moi. Vous resterez bah, tout le temps abonné, et puis voilà, ce sera la vie pratique en quelque sorte. Mais voilà, on arrive au bout du combat avec un challenge, oui, très bien, à 60%. Hop, que je prenne le bon compte. Je me mélange un petit peu les pinceaux et encore si vous le faites à 8 comptes, vous ramassez le paquet, vous ramassez 70 laines par combat, etc. Et encore, vous voyez, les drops sont pas mal, pas excessifs le temps, et encore, moi je vous explique, hein, généralement je farm comme en groupe or. Et en plus de ça, vous voyez, les groupes sont déjà revenus. Et je voulais vous montrer encore autre chose. Qui peut être tout aussi pratique si on fait hors de bouffe tout seulement. Voyez ce groupe, il est complètement abusé. Là, vous droppez des équipements à coup sûr. Je vais vous retrouver le groupe, je sais, je perds du temps, mais moi voilà. Hein. Il faut pas tout le temps faire dans l'express. Là, je vais vous montrer, voilà, il est ici. Hop, ensuite vous prenez votre compte, vous mettez. C'est lequel qui est au bon machin? C'est Twip 5. Oui, c'est original, hein. J'ai 8 comptes comme ça, c'était pour tester en tuto, mais malheureusement il a été patché. Oui, patché, j'ai bien dit patché. Ankama a baissé la puissance sur-efficace de ce tutoriel qui pouvait rapporter pour des non-abonnés jusqu'à 3 à 4 millions par jour sans s'embêter. C'est d'ailleurs bien dommage, j'aurais dû le présenter pendant qu'il en était encore temps. Alors. Oui, après ça vous fait plein de petites fenêtres comme ça, il doit y avoir moyen de le désactiver, etc. Mais moi je suis pas très fort pour ça, donc voilà. Ce genre de groupe risque d'être un petit peu plus long. C'est pour ça que je pense faire une. Avec la voix qui part en couille, une coupure. Comme ça vous allez voir en réalisant le challenge qui est à 60%. Donc on se retrouve à la fin de ce combat et vous allez voir que normalement on devrait avoir bien droppé. Et de retour, alors je vous parlais dans mon drop. Voici ce qui se passe avec à peu près 3 minutes 3. Vous vous retrouvez avec relativement pas mal de ressources, surtout des panoply pew. Mais en gros, tout ce que je veux dire, c'est que vous voyez, là vous avez droppé des graines de tournesol, etc. Les graines de tournesol qui valent relativement cher. Si vous décidez de farmer plutôt ce genre de choses, c'est votre choix. Moi je déconseille, étant donné que c'est un petit peu moins rentable, mais vous voyez qu'on drop passablement beaucoup de choses avec de la patience. Ça peut rapporter gros ce genre de ressources. Donc voilà, bon, bah, du coup j'ai pas mal EP. On se retrouve, non, je vais y aller directement avec ces personnages-ci. Hop, on va vite voir les prix. Vous allez voir que les prix des ressources bouffent tout. Et il faut quand même le dire, on peut utiliser ce terme abusé. Je me rends pas au bon endroit là. Si. Vous allez voir qu'ils sont, on peut le dire quand même, limite. Plutôt j'aurais parlé de 200 000 Kama par 1 heure, 2 heures, vous pouvez vous faire 200 000 Kama. Donc voilà, très franchement, moi j'ai toujours dit, quand on joue un jeu comme Dofus, c'est pas pour se précipiter, il faut prendre le temps. Il faut quand même savoir apprécier, puis moi-même, j'aurais plus de plaisir à dropper pendant 1 heure et demie, 2 heures, si j'ai le temps, que de faire 20 minutes de brisage de certains équipements pour me faire des runes, etc. Là, c'est vrai qu'il y a ce côté quand même, c'est ce qu'on peut dire, chaleureux en quelque sorte, qui vous fait, voilà, vous avez du plaisir, vous avez durement gagné vos kamas. Mais bref,
Voilà, on a vu des mosquitos. Si vous décidez aussi de dropper sur le genre de coupe mosquito-arachné, c'est votre choix. Vous voyez à peu près les prix sont pas super, je vous déconseille. Mais regardez, les cuirs de bouffeton blanc va à 8700. En un ou deux combats, on en a droppé 4. X 3, ça vous en fait déjà 12. Ce qui veut dire qu'en 10 combats, vous vous en faites environ 120. On me parle. Pas grave. Bon, excusez-moi. Et je veux dire, par là, pareil pour les cuirs de bouffeton noir. Les cuirs de bouffeton noir qui sont vraiment abusés sur ce serveur. Mais voilà. Ça vous revient quand même relativement pas mal. De même pour les laines qui valent 6500. 5860, 13998, ça vous revient quand même très gros au final. Les baves et les cornes sont pas, vous reviennent pas très 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 rentables. Faut que je retrouve os, les cornes ont perdu beaucoup de valeur. Voilà, 11 000, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça en plus. Vous voyez, c'est vraiment rentable quand même pour des non abonnés. La bave, je sais pas où elle se là. La bave, bon bah c'est 8000, c'est toujours ça, mais en gros, vous pouvez arriver à 200 000 kama en 1h30, 2 heures de drop, et encore, moi comme je l'ai dit, c'est à 3 comptes. Vous le faites à 8 comptes par combat, c'est bon, hein, vous avez 60 cuirs, etc. sur tous vos comptes, vous y rassemblez, et c'est bon, vous êtes tranquille, ça prend un peu de temps, je confirme. C'est pas ce qu'il y a le mieux, mais quand vous êtes non abonné, très franchement, on va pas se le cacher, il n'y a rien d'extrêmement rentable. Avant j'en avais une, je peux vous le dire, c'est quoi? Qui était très rentable. Comme ça, voilà, on papote. Et je peux vous le montrer, ça se trouvait très exactement. C'était. Je suis content de pas l'avoir sorti, ça aurait ruiné. Très franchement, ça aurait ruiné l'économie de Defus. C'était des millions et des millions par jour en ne faisant absolument rien. C'était. C'était cheaté quand vous faisiez des millions, si vous le vouliez. Cette personne vendait ce livre 50 kama. Et le tavernier qui se trouve ici voulait racheter 350 kama. Je vous laisse faire le calcul. Vous achetiez le maximum de livres que vous pouviez avec vos quelques kama. Vous pouviez en avoir 100, vous achetez 2, ça vous faisait 700 kama. Vous reveniez, hop, vous en rachetiez, vous allez revendre, etc. pendant des heures. À la fin, vous arriviez à plusieurs millions. C'était en PNJ qui vous vendait des livres. Il en a à l'infini. Et le tavernier a des kama à l'infini. C'était vraiment... le must, quoi, ça vous faisait des millions par jour en geekant un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait littéralement baisé. Ça aurait littéralement baisé l'économie de Defus. Mais voilà, c'était un tutoriel pour les non-abonnés. Le prochain que je vous prévois, c'est quelque chose de très gros. J'espère que vous saurez l'apprécier. En attendant, prenez soin de vous et passez tous une bonne semaine. C'était Twip. Au revoir.